Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Styx. Mission 1, révélation, la cité des voleurs. C'est l'heure pour Styx d'aller récupérer sa récompense auprès d'Efron, pour qui il a volé tous les coffres contenant la solde des gardes. Le gredin l'attend dans une vieille taverne abandonnée dans la partie de Tobin, contrôlée par la guilde, une milice humaine qui contrôle d'une main de fer tout ce qui transite en ville, et qui se sert copieusement au passage. Les matelots du coin ont entendu dire que la guilde approvisionnait l'aéronef de l'ambassadeur Arcidi ce soir. Étrange, il s'est déjà ravitaillé il y a quelques semaines. Un complot politique, histoire de pognon. Ce jeu est une fiction, bien sûr. Il n'y a jamais d'histoire de pognon avec les politiques. Jamais. Jamais. Vous ne vous laisserez pas dire ça. Une bande de complotistes. Un comploteur. Ok. Bah c'est parti hein. À moins qu'il y ait déjà des trucs à ramasser, sinon c'est parti hein. Kefron a 30 et quelques mètres. Tobin. A slum. Rotting corpse with perfume sprinkled on it. Goblin plague has ripped this place a new butthole. Now it's just a wet, stinking shanty town for scumbags. This vessel belongs to Ambassador Arcidi. It's about the only thing still in working condition in Thoban since the Green Plague. I wonder what goodies are inside that thing. But for now, let's focus on me getting laid. Ah, paid! Génial! Bravo! Vive les gobelins! Another fucking Carnage poster. I'm gonna tidy this place up. I always hated ads. Ok, carnage. Donc voilà, un jeu où il y en a partout. Regardez, en hauteur, en longueur, en largeur, il y en a partout. Bien que moi, je crois qu'en fait, là, on va pas pouvoir aller à droite. Pour la très simple... Oui, je peux maintenir d'ailleurs pour glisser. On s'embête pour rien. Voilà, nous, je crois qu'on vient de ce côté là-bas. Et du coup, on peut pas y aller. Voilà. Alors oui, c'est l'épisode où je tue personne. Oh là là, ça va être chiant. On va s'emmerder, hein. Je vous l'annonce. Hein. Bon, ça va me permettre de mettre du stuff de côté pour... C'est Payday ? Ah oui ? Donc, il y a une histoire de utiliser des pouvoirs, c'est où? Je ne sais plus. C'est là. D'accord. Et donc, il faut que je fasse ça et X, ok. Ok, donc ça c'est Front, pas de problème. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? Espoir toxique. D'accord. Truc sympa quoi, des petits champignons à gobelins quoi. Genre. 30 PC, hein. Je peux déjà retourner améliorer ma compétence d'assassin. Attention. See you next time, Styx. What? You forget something? Carnage Squad. I've got a deal for you, Goblin. My name is Styx, human. So you speak our tongue? Yeah, and I can also cut yours out. You speak to Captain Heledrin with respect. What's the deal, Captain? I want you to steal an ambassador's scepter. There'll be 10 times more if you help me, Styx. 10 times, huh?
ambassador must be snug up there in his flying palace. So either I gotta learn how to fly, or I gotta find a way to get on board the airship that just arrived. Then I'll just have to sit tight until it joins the rest of the fleet. Exactement. En gros, un jeu d'enfant, quoi. Allons-y. S'il y a qu'à rouler, hein. Passer par les plafonds, pas inintéressant. Excusez, vous avez ça pour moi. Ah, je suis full. Ça sert à rien que j'insiste, je suis full life, tout ça. Quoi par ici? Il y a des trucs sympas. Ah non, point douté. Je suis plein aussi. Ok, je suis plein de tout. En première vue, je dégueule de matos. Celui-là aussi, c'est une bouteille en verre. Tout ce qui est tout classique, hein, c'est ça. Bon. Bah, s'il n'y a plus qu'un. Hein. S'il n'y a plus qu'un. Allons-y. Allez, où cette crabe? Allez, la tête. Hop, c'est bibi oui. An architecture of this town. What is that? Early fucked up period? I could almost believe that it was all designed to make my job easier. No wonder that the goblin plague is so devastating. Why did you cover up these stalls? Are you scared? Alors attendez, je vais en profiter pour crafter un max de trucs puisque à première vue je suis full stuf. Ouais bah là je peux rien faire de plus, j'en ai 3 sur 3. Okay. Non, c'est parce que les goblins. One of them vomited on some of the cargo. We realized it a bit too late. A customer ate one of the fruit. He threw his guts up. Yeah, puked up everything he had and then he died. Then and there. Sad. Je sais que j'essaie de repérer les affiches tant qu'à faire. Est-ce que je peux faire tomber la bouteille quand je monte dessus? Non, même pas. C'est assez simple là-dessus. Non, on a dit qu'on tue personne, donc je ne tue personne. Je vois pas qu'ils aient une affiche. Est-ce que je vais vraiment glisser si je me mets là-dessus? Ils ont pas l'air d'en avoir une dans le coin. Ok, on va rouler, on va avancer. Je peux pas passer comme ça, faut vraiment que je fasse un trajet propre. J'ai même pas vu qu'il y en avait là. Il y en a partout quoi. J'ai trop de stuff. Même le jeu le sait que j'ai trop de stuff. Stop. La sortie, s'il vous plaît. Bon, c'est par là, visiblement, j'ai pas le choix. Mais c'est nul comme sortie ça. Ah, quoique, non, attendez. Ah, attendez, ça va être pas mal. Voilà, nice. C'est très bien. Eh bah écoutez,
pour être sûr de bien passer par ici, ce qu'on peut faire à la limite, c'est faire un... Ah, il y a une affiche là. You gotta admit, carnage gets the job done. Yeah, those vermin won't be wiped out tomorrow. That's true. Ouais, il y a moult humains partout. Une fiole. C'est impossible de faire cela maintenant. Oh, that's a good one. Là, des emmerdes en 3-2-1. Non, ça va, on le dit bien. Ils ont fermé, hein. Voilà. Ah, merci de me réouvrir l'accès. C'est bien aimable. Ah, pas que. Est-ce que ça m'arrange vraiment d'être là? Il y aurait pas un petit loot par ici tant qu'à m'embêter à venir ici, non? Non, rien, zéro. Bon. On avance. Oui, bon, saute en fait. Non, ah, ramène-toi. Voilà. Passe par ici, mon pote. Passe par là. Hein? Il y a une affiche là? À 9 mètres là? Vraiment? Comme ça là? Tu vas me faire ça vraiment? Mais la fais pas à l'envers, grimpe là. I may climb on roofs and scale walls, but you won't catch me wearing a stupid white tabard with a hoodie. It's not the green plague laying waste to our homes. It's the corrupted guild eating all of our profits. I really need to think about getting out of here. I saw a carnage poster before. Is that a sign? C'est tout petit, hein. Nothing to report. Maybe it was nothing after all. Je suis convaincu que les speedruns sont plus passionnants à regarder, hein. Je vous crois sur parole. Merci, ils m'ont ouvert la porte déjà. C'est compliqué là de circuler là. C'est chaud. C'est passé quand même. Pas de... Pas d'entourloupe.
J'essaie d'avoir mes affiches quand même pour avoir mes points. Donc à faire. Quand même plus simple en tout le monde. Même si là j'ai l'air d'avoir plutôt bien avancé. J'aimerais bien. Oh, tu tires autant en cloche, mon salaud! Genre, on n'a pas le choix, quoi. Ça vous occupe, ça, non? Un petit peu, non? Non? Bizarre. This is weird. À voir par ici. Ah, c'est vraiment la poutre la plus haute. Hein. Vraiment. Voilà, il y en a une autre là, 22 mètres. Comment je vais la récupérer celle-là? Est-ce qu'on peut s'accrocher là? Bien sûr, Monseigneur Chevalier Balétrier là. Open this damn gate! It's our stuff! You've got no right to prevent us from taking it back! I take my orders from the guild. Now go home! And how do we get the stalls ready for the morning? Déjà. Well, the same crap as yesterday. Ces conneries. Hein. Je peux même pas les crafter les potions d'ombre. Oh, c'est horrible. So the gate is closed all night? Yeah. Nobody is allowed near the warehouse. Not everybody seems happy about that down there. Okay, ils vont pas ici. The warehouse guys want to take care of their business without being disturbed. None of these scrubs. Plus ça non plus. Non. Non. Vraiment? Mais non, je ne peux plus rien fabriquer, je dégueule vraiment littéralement de stuff. Hein. C'est terrible. Hein. Ok, donc là, faut que j'arrive à atteindre celle à 7 mètres. Là. Et je suppose qu'ils vont être deux à tourner en rond. De manière assez propre. Open this damn gate. It's our stuff. You've got no right to prevent us from taking it back. Hey, I take my orders from the guild. Now go home. And how do we get the stalls ready for the morning? Well, the same crap as yesterday. Okay, c'est bon, ça passe. Je peux visiter du coup cette maison. Ce serait bien que je la visite. Ce que j'en pense. C'est une maison. On voit. Les gens ont l'air charmants dans le coin. Mais je pense que c'est une maison qui est verrouillée. Pas me tomber cette loupiote là, merci. L'armurier, bonjour. D'ailleurs, qu'il y a des choses charmantes dans le coin ici. La maison là, là-bas est bien protégée, je trouve. Ok, descendre là. On peut entrer par où ici? On peut que la crocheter. Il a l'air d'y avoir trois conneries dedans. Mais ça a l'air d'être les trois conneries de la vie. Ouais, ça c'est verrouillé. En fait, quand elles sont un peu bleutées, les portes, j'ai l'impression que elles sont accrochetées. Alors je dis bien j'ai l'impression parce que je ne suis sûr de rien. On peut pas refermer une porte, vraiment? Ok. Visiblement non.
Ça sera peut-être une compétence de gobelin à apprendre. Je peux prendre cet objet, d'accord. Intéressant, ça c'est pas une affiche à arracher. Ok, qu'est-ce qu'on a là-dessous? On n'a que plan par laquelle j'aurais pu passer si j'avais pas été un blaireau. Si j'avais pas été un blaireau, j'aurais pu passer par là. Mais visiblement, je joue un gobelin blaireau. C'est un style. C'est une race de gobelins. C'est vraiment plus bête que la moyenne. Mais le pont de là-haut, si, je suis passé là-haut, moi. Non, je vais check la situation, là. Je me sens dégoûté de ma life, tout ça. Everything all right? Nothing to report, sir. I think I prefer it the other way around. There's nothing. This one is. Mais merde aussi. Ah, mais vas-y, ça y est, j'ai déclenché une alarme. Non mais je préférerais que vous me tuiez, vas-y, tue-moi. Voilà. Ouais, bah si t'étais moins nul avec tes contrôles, gros naze, je serais pas mort. Parce que je me serais pas fait détecter, couillon, va. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qui manque, quoi. Je devrais pouvoir me plaquer contre un mur et passer par la fenêtre. Et pas grimper comme un blaireau dessus. Everything all right? Nothing to report, sir. I think I prefer it the other way around. Pas que je passe, là. There's nothing worse than boredom, apart from goblins. If only we could wipe the vermin out once and for all. And the green plague, you mean? Yeah. So there's not a single one left. Your dream. Allez, bonne voir, là. Je m'ai pas vu. Des hommes charmants. Je suis full de tout, je dégueule de tout, c'est horrible. Ça m'intéresse pas de les tuer. Ça m'intéresse pas non plus de les empoisonner. Ce qui m'intéresse, c'est d'avancer. Ah, tu m'as vu? Non, mais lol. Oh non mais c'est bon, j'ai compris. J'étais pas plaqué contre un mur, il m'a vu en coup d'œil. Des fois t'es planté sous leurs yeux, ils te voient pas, et là par contre j'étais quand même un peu dans le noir obscur, dans un coin de son champ de vision, et le gars m'a vu. Bon, en tout cas on a confirmé ce que je voulais confirmer, c'est-à-dire qu'il y a rien et que je suis déjà passé par là et qu'il y a rien à voir. Il y a rien à voir 8000 fois. Voilà, c'est ça. Ah bon, tout à l'heure vous m'avez pas vu, hein. Faut savoir les mecs. Hein. Mais je ne veux pas que... Je ne veux pas mourir comme ça. Je vais mourir comme ça. Voilà, je me suis cassé un genou. Viens. Un new flash. Le bouton de saut n'est plus situé entre tes fesses. T'es vénère comme gobelin. Le mec a le seum. Le mec a tellement le seum, c'est incroyable. Voilà. On a dit qu'on se la ferait proprement. Je liquide personne. Ce sera fait propre. Après les autres parties, ce sera moi ça. Allez, paf. Everything all right? Nothing to report, sir. I think I prefer it the other way around. There's nothing worse than boredom. Je sais pas, je crois. If only we could wipe the vermin out once and for all. And the green plague, you mean? Yeah. So there's not a single one left. You're dreaming. Super. Ouais, et je le dis pas à ta maman que t'es un con. Vas-y, ça roule. On dit qu'on fait ça. On dit que t'apprends à sauter par les cadres de fenêtres. Et on dit que c'est cool. Et on dit que tes contrôles sont moins à chier et ça serait bien. Parce que là, on a un mec qui se suicide gratis tout le temps, quoi. C'est un peu fatigant. Sinon, hein, c'est quoi, je vais la faire autrement, voilà. Allez. Non mais... Everything all right? Nothing to report, sir. I think I prefer it the other way around. There's nothing worse than boredom. Ah mais ils vont me griller 800%. Là. If only we could wipe the vermin out once and for all. Oh, bah, c'est pas le top par là. Allez, salut. Yeah. So there's not a single one left. You're dreaming.
They call this a town? 3 shacks and 2 stalls? Smells a little like budget cuts to me. Ce qui nous intéresse avant toute chose, c'est nos affiches. Affiches que... Et atteint donc l'aéronef, bien sûr. Est-ce qu'on peut voir des affiches au loin, là? Il devrait y avoir une affiche par là-bas. Ouais, combien on peut voir célérité, bronze, faire le jeu en moins de 35 minutes, d'accord, bon, je viens d'exploser. Ah d'accord, on voit les... Ok, 0 alerte déclenchée, clémence or, jeton de voleur 1 sur 10. Mais ça, les jetons de voleur, je vois même pas à quoi ressemble ce loot en fait. Je vois même pas à quoi ça ressemble comme loot. J'avoue, j'en ai aucune idée. 9 sur 10, j'en ai ramassé, j'en ai ramassé 9, j'en ai vu aucun. Je sais même pas à quoi ça ressemble quoi. Œuf d'insectes ramassés, voilà, bon, ça, ok. C'est pas un... On crée des issues, hein. Là, on a l'étage de l'arbalétrier, normalement. Voilà, monsieur est ici. On est vachement sérieux mec hein. C'est génial hein. Je suis très fier. Travaille bien. Bravo. Ton pays est fier de ton travail. Bravo. Félicitations. Je suis déjà passé par là. Non mais attends, je suis en train de vraiment faire demi-tour là. Vraiment, vraiment je me déteste comme ça. Ok. Bon, je suis passé... je suis vraiment en train de poncer le niveau dans tous les sens et j'ai toujours qu'un jeton sur 10 alors que j'ai dû faire la moitié du chemin. LOL. Connaissez-vous LOL? Ça s'appelle League of Legends. C'est très rigolo comme jeu. Ok, donc on en est là. Oh mais merde, j'ai fait demi-tour ou quoi là? Déjà, il y a une affiche là-bas, il veut pas me le marquer, mais il y a une affiche là-bas. Non, j'ai pas fait demi-tour, j'ai avancé là. Ah, c'est encore une autre porte avec encore un autre mec pour encore d'autres raisons. Oh là, ça en fait beaucoup de terroraisons, de péroraisons. Tout ça, ça a l'air très compliqué cette histoire. Mais descends, descends, doucement. Merci, merci. Merci. Un milliard de bouteilles à casser, hein. C'est incroyable. Hein. Je vais ouvrir cette porte là parce que ça dépannerait un peu là. Alors si quelqu'un pouvait accueillir un gobelin tranquillement, voilà, parfait. Ah bah magnifique comme endroit. Parfait. Ça et ça, voilà. Retape-moi un peu la gueule. Voilà, est-ce que je peux en refaire une s'il te plaît? Formidable, merci, ça libère de la place. Tout le monde est content. Du coup, récupère-moi ça, merci. L'ambre brute. Je vais pas le ramasser, on est déjà full. Ça c'est quoi? Sport toxique ramassé, ouais ok cool. Et un jeton. Je peux avoir un tonge, s'il vous plaît? Un tonge, je pense que j'ai mérité de récupérer un deuxième tonge et de voir la tête que ça une fois dans ma vie. Peut-être. Ce serait cool. Là on visite hein, mais c'est joli hein. Mais j'irai pas acheter quand même hein. Oh,
ultra pourri, quoi. C'est bien, hein, ils ont bien réussi à donner cette impression de... Tout sent la mort, la merde, voilà, tout ça, quoi. On y ouvre les portes, jamais ouvrir les portes. Ah non, la passion d'ouvrir des portes. Buguez pas mes poulets, hein. Regardez pas dans ma direction, tracez, vivez votre vie. Hein. Vivez vos vies, voilà. Débug-toi, va ailleurs, ne se ramasse pas. Hey! Anybody there? Non. La réponse au loin. Non, il y a personne. Il y a un truc lootable là où il y a ce garde. Ah, des spores toxiques. Très intéressant. D'accord, on a le temps de tout prendre donc. Je vois, c'est là. On va le laisser faire son tour. On va le laisser faire son tour tranquillement. On va aller récupérer nos collectibles. Ah bah on pouvait passer par cette fenêtre, tiens, c'est intéressant. Ça me tresse de voir des portes. On laisse faire son tour, on a dit. Le monsieur fait son petit tour. Voilà. Il y avait un truc ramassable, hein. Nice. C'est ça les trucs de... Non, ça c'est un crochet, ça. Ou c'est un jeton de voleur. C'est pas écrit, on sait pas, on sait pas. Ah bah si, on va pouvoir... Ah bah non, c'est pas un crochet. Le crochet, ça ressemble à autre chose visuellement quand on le ramasse. Donc c'est un jeton de voleur. D'accord. Donc je suis le roi des voleurs. Que magnifique. What the? What the chips? On coupe les loupiotes. Ça sert à rien les loupiotes. Ça pique les yeux de toute manière. C'est un truc débile. Ah, des gens qui taillent une bavette. Du stuff que je dois déjà en avoir ras la gueule 800%. Je peux pas le ramasser, ça. Je suis full de ça, non? Ah, je suis full de ça, évidemment. Ah, je vois plus rien quand je fais ça. Là où je suis, toi. On utilise un peu les éléments à notre disposition. C'est cool. C'est rigolo. Bonjour. Tu ne me vois pas. Je n'existe pas. Ah, il y a deux minerais de métal là à les récupérer. Et un truc dont je dois être plein. Minerais, je crois pas encore que je suis plein. Non mais... Ouais. Je me suis dit, de toute façon je vais apparaître pas très loin de là. Et toi tu dis que ça débloque pas un succès, mais moi je suis sûr que ça débloque un succès. La Vidra, par contre je sais pas ce que ça nous débloque là, enfin c'est lié à quoi, je sais pas. Vidra... Est-ce que j'ai récupéré un certain nombre d'objets, je sais pas. Yo ne sais pas. Ah, donc on en est là effectivement, ok. Je suis quand même relativement résistant, ça c'est quand même rigolo. Ouais. On va passer ça.
On va passer ça, j'ai pas envie d'y perdre 10 jours à attendre dans mon meuble. Ça pour que l'autre mec m'entende claquer la porte, voilà. Jamais vu. Est-ce qu'on pourrait grimper là-haut? Il y a un truc là-bas. Ah non, c'est juste pour faire tomber le... Quel lustre. J'ai toujours pas eu leur affiche à eux en bas. Hein. Ouais, bah non. Des tours, mais j'ai toujours pas cette affiche. So are you done transporting the goods to the Gill's cave? Almost. We'll make sure we send what's missing before the departure of the airship. Good. And this time, don't even think about delivering the cargo late. Use the gondola. It will save you time. Deux traces de pas de mec qui marche. Comment je le bouge? Allez. Technique de la bouteille, bien sûr. Ouais, non, X pour lancer. De toute façon, on est toujours full tout. Le full furtif, hein. On est toujours full de tout. Je vais quand même piéger ça parce que c'est quand même une petite tradition. Hein. Plus on piège des trucs, plus c'est rigolo. C'est surtout que je me dis, voilà, pareil, encore une fois, s'il y a un succès pour le nombre de trucs piégés, machin, bidule, voilà. On s'éclate et au moins on l'a. Donc 17 mètres, toujours la même affiche à arracher, encore et toujours. Fait bobo sur les doigts. Je crois que ça tire un peu sur les bras. Oh. Merde, bah raté. You are dead. No. Du coup, je crois que j'ai sauvegardé avec une alarme grillée quand même. Ça m'embêterait un petit peu. Ce petit souci. Je me suis fait griller. Je crois que c'est mort. Non, c'est bon. C'est préservé. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous fonciez tous dans la même direction. Ah oui, d'accord. Bon, oui, oui, effectivement, j'étais bon pour me faire niquer. En effet, tranquillement même. Par contre, il y a deux trucs là-bas à récupérer. Hop là. J'ai encore de la place pour du minerai sphère, donc pourquoi pas go le prendre. Hein. Là, j'ai un peu de place encore, je pense, pour le prendre, là. Insecte machin. Là ici on connaît, hein. C'est là avec j'ai pas l'air de connaître plus que ça. Vous
avez une affiche par là, les gars? Ah, c'est l'arrière de l'auberge, non? C'est une autre auberge encore. Ah non, c'est un autre bâtiment encore. D'accord, d'accord. The Queen of Spades. This cesspool is the black heart of the town. All the crooks gather here in the evening to fill their bellies and empty their pockets. It's early, so it's still quiet. Shame that human games for money have always fascinated me. Well, not so much their games as their money. Nah, this is my first stop in Nova. Ah, notre gars qui tourne, il est là. Ok. C'est faire des auberges où j'ai pas mis les pieds. Je l'empoisonne pas parce que là je suis sujet à ce qu'il y en ait un qui vienne la tâter, la petite machine là à côté là. Ça mange des fruits, tout ça. Il n'y a pas une affiche, un bignou, un machin. Ah si, il y a un truc derrière le comptable. 800%. Voilà. C'est par la fenêtre. C'est-à-dire, j'aurais dû passer si, par une de ces fenêtres. Du coup, je me retrouve en PLS sous la table. Il y a trop de façons de jouer, trop de façons de bouger, c'est un truc de ouf. Et ça c'est vrai que c'est cool quand même, vraiment. Je cherche une issue, finalement, t'en as toujours une quelque part. Est-ce que tu me vois, mec? Hey! Anybody there? Hey, yeah. To arm. We can't stand here. Bonjour! Alors, vu que je suis grillé, excusez-moi, on va faire, voilà, la version courte. Voilà, enfin, petit plongeon. Je suis sûr qu'on peut débloquer un achievement comme ça. Je suis convaincu d'une manualité. Ok. Du coup, je suis où, là? Oula. Oula, je suis pas à côté. Alors, attends, c'est l'histoire d'un bar dans lequel je voulais me rendre. Dans lequel je ne me suis pas rendu. Dans lequel j'avais l'intention de me rendre. Voilà. Oh, you are dead meat, Tiny. Mais non, mais... Oh tiens, ah, je suis sûr que j'aurais tabatté. Oh, je suis trop fort. J'ai réussi à parer une fois. Je descendrai pas la difficulté, tu rêves. Tu rêves, petit bonhomme. Petit bonhomme. Petit bonhomme vert, en plus. C'est une raison de plus de l'accabler, quoi, finalement. Ok, non. Ah ben non, très bonne idée, excellente. Excellente idée. Ah, attends, voir. Tu veux, voilà, merci. Parce qu'en fait, est-ce que je passe par là, moi? Hey, boss! When do your customers arrive? Oh, not for another 2 hours, right? You're not from around here, are you? Nah, this is my first stop at Thoban. I'm leaving on the Ambassador's airship tonight. Wouldn't mind fleecing a few trucs derrière. Before I go. Yeah?
Donc des trucs que je dois pas posséder, donc c'est un peu le truc à crocheter. On peut accéder par où ici? Ouais, c'est plus blanc qu'autre chose. Faut vraiment que j'aille voler le truc de Michel, quoi. The Queen of Spades. This cesspool is the black heart of the town. All the crooks gather here in the evening to fill their bellies and empty their pockets. It's early, so it's still quiet. Shame that human games for money have always fascinated me. Well, not so much their games as their money. Si je passe par là, on peut passer par ici. Ah, c'est chaud en fait, tout est verrouillé après. C'est ça le problème. What was that noise? Cockroach, what is it now? Arrache-moi la tronche. D'ailleurs, j'aurais dû voir s'il y avait un truc à voler. Avant de me faire tuer, j'aurais dû voir s'il y avait un truc à voler. J'ai pas regardé si en fait ce que je fais là ne sert à rien, ou il faut que je revienne avec un crochet, ou s'il y a un truc à voler pour ouvrir la porte. Je pense que ça va être là qu'on doit pouvoir ouvrir, trouver normalement la clé pour ouvrir en bas, ou un crochet. Mais rien ne le garantit, quoi. Oui, c'est l'auberge du bar, ça, hein, c'est la bonne. Ouais, ça marche aussi. Ouais. C'est même par là que je suis rentré. The Queen of Spades. This cesspool is the black heart of the town. All the crooks gather here in the evening to fill their bellies and empty their pockets. It's early, so it's still quiet. Shame that human games for money have always fascinated me. Well, not so much the games as the money. Hey, boss! When do your customers arrive? Oh, not for another 2 hours, I'd say. You're not from around here, are you? Nah, this is my first stop in Thoban. I'm leaving on the Ambassador's airship tonight. Wouldn't mind fleecing a few pigeons before I go. Yeah? I thought I saw something. Est-ce qu'il y a un truc? Il y a un truc sur ton pote. Ton pote le civil, est-ce qu'il a un truc? C'était pas lui. C'est pas lui que je cherche. Ouais, on a compris. On a compris la petite vanne gratuite. À la fin, finit par piquer la petite vanne gratuite, hein, quand même. Hein. Finit par être un petit peu piquant, désagréable, tout ça, tout ça. Le pire, c'est que j'insiste juste pour une planque débile, mais j'aimerais pouvoir localiser le crochet. Je me dis aussi que c'est peut-être tout simplement pas en bas, mais justement en haut, là où il y a les mecs, peut-être que je vais pouvoir localiser un crochet. Ouais, donc là, c'est pour tuer quelqu'un, ça m'intéresse pas. What was the name of that bitch who gave you such a beating last night? Eladrin. You'd be laughing a lot less if you had been in my place. What was that? Be on your guard. Something's on the loose. Oh, mais j'ai niqué toute mon âme pour rien là. Je suis un gros con. Je suis un gros con, c'est génial. Nothing to report. C'est génial. Ah, il me manque des bouteilles, j'en ai plus. Hey boss, this is when your customers arrive. Oh, not for another 2 hours, I'd say. The Queen of Spades. Mais vos races. Mais ta race. Non, vos races. Vraiment, vraiment vos races en fait.
Oh, je t'ai frappé. Ah d'accord. Et ensuite, je peux te tuer. Ah, c'est rigolo ça. Question. Va te faire. Et la réponse, évidemment. Je perds beaucoup de temps sur cet endroit. Mais genre beaucoup de temps. J'aurais probablement même fini le niveau si je perdais pas mon temps sur cet endroit. Sauf que les trucs qui sont derrière la porte, je sais pas ce que c'est, je veux les récupérer. Je veux récupérer ces trucs-là, coûte que coûte, vaille que vaille. Voilà. Voilà, voilà, et y a rien d'autre à dire. Après, j'essaie à chaque fois de passer dedans. On pourrait peut-être aussi essayer de passer outre. Genre, est-ce que par là, on peut atteindre une porte? Par exemple. Dans... Hey, anybody there? Ah non, on n'a pas le choix, faut vraiment passer à... Ah si, on pouvait là? Fais-moi ça. Ah ouais, 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 c'est bon, ok. Ah, c'est un peu rigide par contre. Maybe it was nothing after all. On a apprécié. On a apprécié. Oui, oui, c'est bon, on a compris. On a apprécié. Voilà, c'était cool. Je peux ramasser moult bouteilles, c'est génial. Mais voilà, on n'a pas le choix. Faut passer par. Faut bien passer par là, quoi. Juste pas le choix. Donc. Cette auberge, d'accord. Et vraiment juste en dessous, quoi. Il n'y a vraiment aucune autre façon de passer que là. Est-ce qu'il y a moyen de se choper Ah non mais c'est pas la bouteille. Tac, tac. What the? Got it. Hey, boss! When do your customers arrive? Oh, not for another 2 hours, I'd say. You're not from around here, are you? Nah, this is my first stop in Thoban. I'm leaving on the Ambassador's airship tonight. Wouldn't mind fleecing a few... Hey, grimpe! Grimpe, Teubemann! This is weird. Ah, d'accord, on arrive là. Okay, strangers rarely make friends here. Ok, d'accord, donc si, avec LT, c'est bon, je peux quand même m'accrocher sur les rebords. Ok, Oh, la rigidité du machin, quoi. Maybe it was nothing after all. Mais non, mais Connarman! Connarman! Commence pas à me faire des tricks de mec buggy parce que là ça va m'énerver. Qu'est-ce qu'on a ici? Un truc dont je suis déjà plein. Donc je suis pas encore plein. Table de craft. Table de craft, y'a rien à craft. Bon, y'a rien. Ces deux mecs en fait ne protègent rien. Hop, on peut peut-être passer par là. On va apprendre des choses plus intéressantes. Ok. Donc ouais, non, en fait, il y a plein d'autres chemins effectivement bien pour passer. Effectivement. Non, on fait pas ça. Faut que je fasse ça, c'est ça. LT et ensuite... en fait, ouais, c'est avec LT qu'on se colle vraiment à tous les objets, quoi. Si t'as pas LT allumé, tu te colles à rien. Okay.
Non, t'avais juste besoin de prendre l'air. T'avais juste besoin de prendre l'air. Rentre. Franchement, t'es pas stressé. Nothing to report. Ah, tu vois, y a rien à signaler. C'était cool finalement cette histoire. Allez, laisse-moi circuler maintenant. Le compte est mort. Laisse-moi récupérer une bouteille parce que j'en ai plus. J'avance pas par rapport à mes affiches, mais je voudrais vraiment prendre ce loot là. Ce loot, je pense qu'il est, il est flex. Il est flex, il est hybride, il est flexible. This cesspool is the black heart of the town. All the crooks gather here in the evening to fill their bellies and empty their pockets. It's early, so it's still quiet. Shame that human games for money have always fascinated me. Well, ce truc-là, là, au milieu, je connais pas, là. Pas le celui de milieu droite, là. J'ai pas de crochet et Taras, quoi. Lanterne qu'il a à la ceinture. Je voudrais voir si l'autre il a un crochet à la ceinture ou un truc comme ça. Ça a été bronze perdu, bah évidemment. Célérité non classée, bah oui, je m'en fous de ta célérité. Depuis très longtemps. Non, il a rien. Il a rien au cul. Un gobelin en boule, un. C'est bon, j'ai mes trois bouteilles. J'ai mes trois bouteilles. Très bien. Très bien, très bien. Discutons. C'est pas de crochet, d'accord, intéressant. Il n'a pas l'air d'avoir de crochet à la ceinture. Ouais, donc non, il n'y a pas de crochet dans la baraque. Je m'emmerde depuis tout à l'heure, en fait si je voulais ce loot il fallait que j'économise un crochet et c'est barre. Et c'est tout. Voilà. C'était ça le secret de l'histoire. Vous connaissez pas le secret de l'histoire? C'est génial. On a tellement rien raté les enfants. Ouais. Salut. Ok, donc on continue l'aventure. L'aventure maintenant que je me suis bien pris la tête pour rien, peut continuer. Non mais il n'y a pas d'intrudeur. Calme-toi. Calme-toi, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a des soucis mais il n'y en a aucun. Alors, où suis-je par rapport à la grille? La grille est là-bas. Il y a une affiche que j'avais déjà repérée. Ce bâtiment, suis-je rentré dedans? Je pense, oui, c'est là où doit y avoir l'arbre à l'étrier, sauf erreur de ma part. Exactement, ça y ressemble 800%. Ok, donc il manque une affiche. Affiche. Je ne suis pas allé dans ce bâtiment là-bas. Il me manque quelques bâtisses. Hey, where's my convenient pile of straw? Where am I supposed to jump? Un petit clin d'œil à Assassin's Creed, bien sûr. On apprécie. Mais saute! Mais saute! Mais saute! Moi, je t'ai mort! Saute! Ah, il va pas vouloir sauter là, il y a des clous. Sale bâtard. Il y a du clou. Il y a du clou, il va pas vouloir y aller. Il me manque combien d'affiches là? On peut savoir 7 sur 11, il m'en manque un paquet quoi.
Si seulement j'avais fait une partie où j'assassinais tout le monde. Comme ça, tac, donne-moi ça. Ah, faut que je recule un peu. Ah non, mais là je les aurai pas tous. Là je pense que oui. Là je pense que si je te cale une bouteille comme ça là. This is weird. There's an intruder. Keep your eyes open. Il y a un truc juste en dessous. Il y a un univers qui s'offre à nous juste en dessous. Nothing to report. Maybe it was nothing after all. Nothing to report. Alors, comment je vais les bouger devant de la porte? Alors là, surprise, surprise. On doit pouvoir rentrer là-dedans. Ah, mais j'ai pas envie de... Voilà, moi ça me lol pas, ça, cette histoire. Mais non! 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 Donc il reste encore une possibilité qu'en fait j'ai pas raté d'affiche, mais que les affiches sont encore après. Ça m'étonnerait, parce que là on a atteint les 8 sur 11. Ça voudrait dire qu'il en manquerait encore 3. Hein? On est où là? 7 sur 11 affiches, donc il me manque toujours les mêmes affiches, ok. Je suis suspendu à un bout de zombie, ok, ça marche. Ok, ça marche. Okay, I'll take Qu'est-ce que vous voyez? Jean-Claude, que voient tes yeux elfes? Qu'est-ce qu'ils voient? Ils se font des films tout seuls, les mecs, hein. Vraiment. Pas moyen de grimper là. J'y crois 0, si, si, bien sûr que si, il y a moyen de grimper là. C'est obligé. Obligé. Alors là, c'est passé crève, je sais pas trop comment c'est passé, mais c'est passé. Ah bah oui, moi aussi je pensais. Hein. Portcullis was out. Yeah, the cogs are rotten. Do we know when it will get repaired? No, yeah, make par là. Anyway. Shit. Well, it looks like it's the Queen of Spades tavern for us. This is weird. Got it. Bougez-vous. Zouquez-vous. Mais zouquez vos mères. C'est bien. Ah bah non, toujours rien à craft. Crochet nécessaire, j'ai pas de crochet. Ma vie va vraiment être de la merde comme ça là. J'aimerais vraiment me retrouver coincé comme ça. Ouais, j'aimerais vraiment me retrouver coincé comme ça quoi. Coincé comme un rat.
nobody even remembers what life was like before. What the? Les mecs, ils s'inventent des films là-haut. Mais les mecs, ils s'inventent des films là-haut. Moi, tu veux que je bosse? Non mais, Homer vous ont pas appris à respecter les trucs qui se cachent là. Non, tu prends pas ma manette. Tu te calmes, tu continues à mourir comme un gobelin. Hein? Parce que si t'étais un orc, voilà, t'aurais une hache, et ton jeu d'assassinat, enfin ton jeu d'infiltration se transformerait instantanément en assassinat. Et on gagnerait des points en combo sanguignolante. Voilà. Donc je n'ai aucun crochet. Si seulement j'avais tué tout le monde, je dégueulerais le crochet. Celui-là. Not only do they bring in diseases, they destroy everything around them. A bit like rats, right? Oh no, a lot worse. Believe me, it's been like this for decades. Nobody even remembers what life was like before. Mec, là où je sais pas ce qu'ils foutent, hein. Vraiment. Mais t'arrases toi! Mais t'arrases un jour, hein. T'arrases toujours! Ouais, je crois que j'ai vu un truc ici. Ah, on peut passer par là! Bon déjà, bonne nouvelle, j'ai vu un truc. Ouais, c'est pas l'impasse non plus quoi. Ok, c'est pas l'impasse non plus. Ça va passer. Ça va le faire. Croyez-moi bien, ça va être bon. Un instant, s'il vous plaît. Donc, nous disions. So, first time in Thoban? Yeah, I'm from Wilduran, the hunter's village. I heard that the greenskins were sold there. Yeah, you see it more and more. Là-bas. Hey, your town looks to be in bad shape. Ici. It's the damn goblins. Not only do they bring in diseases, on peut grimper dans le bâtiment par là. A bit like rats, right? Oh no, a lot worse. Believe me, it's been like this for decades. Nobody even remembers what life was like before. Vous avez pas campé là? Vous pouvez vous faire un petit feu de camp entre amis là? Aucun intrus, il n'y a pas besoin de garder les yeux ouverts. Calmez-vous. Il faut un crochet aussi pour ça. Mais vos races, faut des crochets pour tout, j'en ai aucun. J'aurais dû économiser mes crochets dans le premier. Dans le premier level. Bah écoute, hein. La technique des anciens. Ah, on va se faire griller, non? C'est pas ça? Je sais pas, un coup il me voit, un coup il me voit pas à travers les machins, je sais pas, je comprends pas tout, voilà. Hop. Ah, mais non, je suis sur la gâchette là. Non, mais non monsieur. C'est celui-là, avec ses cookies. Non. En fait, juste non, moi j'étais sur ma gâchette, là ce qui arrive, non. Ça c'est Ezio ça. C'est le blaireau mancien. Le blaireau collector. Le collector of blaireau. C'est bruit. I thought I saw something. Non, tu n'as rien vu. Fais pas ça. Mais toi, mais non mais ça par contre non, s'il te plaît, me fais pas ça. Me fais pas ça. Me dis pas que tu peux pas là juste passer ce poteau. Je te crois pas. Tu le passes. Le pénitent le passe. Tu fais pas ce genre de choses. Arrête, ça suffit.
C'est un truc de voleur, ça. C'est un truc de voleur, en plus. Faut que je le prenne. Je suis obligé de le prendre. Question d'honneur. Là, ma fenêtre. Tac, tac, tac. Prends ça, prends ça. Ah, je suis plein. Cool, cool, cool. Parfait, je suis plein. Quoi? Quoi? Il a pété un plomb, le jeu a pété un plomb. La bande son a pété un boulard. Oh, vas-y, vite ta vie. Par contre, vous avez un champ de vision, les mecs, d'alcoolique. Hein. Ça m'arrange, hein. Je ne cache pas que ça m'arrange, mais... Vous avez quand même un champ de vision d'alcoolo. Un truc à voir par ici. Non, c'est juste un trou à caca. Donc une cachette. Ah, des portes qui s'ouvrent toutes seules. Alors, y'a rien de louche. Je vois pas ce qui te dérange. Tu opères. Je vois pas ce qui te perturbe. Moi, y'a rien qui me perturbe. Je vois pas pourquoi tu serais perturbé, donc. Ça serait pas un gobelin, ça serait pas non plus, non? Ah, y'a une affiche au milieu de la pièce. Je déteste. Et y'a une affiche à 20 mètres que j'ai pas. Pardon? On a quoi là, ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Non, on est obligé de rentrer, d'accord. On va passer directement là-haut. Nothing to report. Oh les mecs, les collisions quoi. Un jeu d'infiltration avec des collisions, c'est inacceptable, quoi. Ça, par contre, vraiment, j'aime bien l'univers du jeu. J'aime bien le principe, on joue un gobelin, les histoires sont généralement assez cool. La première était cool, en tout cas. Ça, c'est tout ce que je peux te dire. Non mais 10 mètres, c'est celle de l'autre côté de la grille, là. Je vous maudis si celle-là. Franchement, vraiment. C'est plein, ça s'ouvre. Les gens se posent des questions. Ah bon, ça s'ouvre. Oui, bande d'humains, ça s'ouvre les portes. Vraiment que des humains, c'est terrible. Là, je suis parti pour reprendre un peu de danger, c'est ça, du danger comme on l'aime. Ça va pouvoir escalader tout ça. Ah oui, on avait dit qu'on pouvait grimper là-haut. J'avais oublié ce détail. On va y retourner, on va essayer de... On va essayer d'aller chercher ça. Oh, j'ai tellement envie de te pousser. Oh, j'ai tellement envie de te pousser. Oh là là, c'est terrible. Hein. Vous savez, c'est terrible pour moi. Là.
Pardon, on peut pas, d'accord. Nice. Puis je suis trop content. Grimpe, grimpe, grimpe. Grimpe, petit bonhomme. Bien, petit bonhomme. Bravo, petit bonhomme. Forcément. Attends. Il faut pas qu'on glisse. Il faut que... Hop, voilà. Il faut que j'arrive à choper celle-là. Nice. Nice. Tombe pas. Tombe pas. C'est pas le fou. Ok. Bon, on est où, là? Là... on est évidemment en évidence. Donc là, là c'est sûr, il y a des bons trucs à récup. Là, c'est obligé... C'est obligé dans les bâtiments de gauche et de droite. Là, il y a des trucs à récup, mais comme jamais. Genre, c'est le loot du game. Si tu l'as pas, t'as joué pour rien. Ah, je suis qu'une illusion, mec. Cherche pas. Tu t'emmerdes pour rien. Tu te fais du mal. Ah, je peux pas passer par là. Flûte. Tu vas avoir 50 chances pour passer. Hop, voilà. Là, c'en est utile. Y a dans cette salle. Rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a une vulgaire bouteille de flotte. Sérieusement? Tout ce risque juste pour ça? Toute cette acrobatie juste pour ça? Enlève-moi ça. Non mais il y a bien autre chose là, non? Il y a un truc là ici. Un truc que j'ai déjà, bien sûr. Évidemment, que j'ai déjà et qui, bien sûr, dégueule de mon inventaire. Les bouteilles d'eau, vous adorez m'en donner des tonnes et j'en ai déjà des tonnes. Comme ça, entre des masses et des tonnes, on est heureux! This is weird. Et je vais me faire griller. Sinon c'est dehors, il fait beau. Maybe it was nothing after all. L'air est doux et agréable, tel que devrait toujours l'être un marais. Cherchait. Est-ce qu'on peut accéder? Oui, on a pas accédé à l'autre bâtiment. C'est bon, c'est cool. Ah, il y a une potion de soin ici. Aller patrouiller plus loin, toi? Ah, moi je vais me faire coincer là. Là je vais me faire coincer. J'aime pas trop l'idée. Que c'est, mais ça brille. Ça va être un tonneau pour se cacher. Là, je me fais griller si je sors. Si je fais ça, là, je me fais griller. Non, pas encore. Par contre, hein, c'est ça, m'en sous très peu.
fabriquer une potion. J'ai pas besoin, ok. Ok, on a fait le tour de ces bâtiments tout pourris. Enfin, tout pourris, lol. C'est des bons bâtiments, si t'as besoin de te refaire du stuff, c'est des bons bâtiments. Ouais, ouais. Ouais, encore un étage là. Ah bah non, oula, dangereux. Je peux pas aller jusqu'à cet étage là où il y a ce mec. Si, non, peut-être, peut-être que si, peut-être que non, je ne sais plus, je ne sais plus, mais pour le coup je prendrai pas le risque. Je pense qu'on a vu globalement ce qu'il y avait, c'est-à-dire absolument rien. Enfin rien, si, il y a des trucs, mais nous, dans notre état de choses, ça ne sert à rien. Là, si je lâche, c'est bon, tu... Ok, nice. Ok, parfait. Ensuite... Moi, j'aurais peut-être dû remonter, passer par là. Je suis pas sûr qu'on puisse sauter depuis cette corniche là. Ça me paraît un peu loin comme, comme saut. Pareil, lui il est en train de me dire là en gros on peut faire genre un truc quasi... bon, on peut faire un truc bien mais moi je sais pas le faire. Mais à première vue on peut faire un truc stylé. Alors à partir de là, première vue, on pourrait faire un truc stylé. Un truc stylé. Genre stylé. Genre monter sur la cloche. On aime bien les trucs un peu... Let's make a deal. You stop killing me. Non, là on peut dire que c'est de ma faute. Je sais pas... Comment vous dire. J'ai pas... Je t'ai pas appuyé sur Arte. Donc je suis tombé. C'était bien. Ah oui, d'accord, donc okay, le dernier endroit c'est ici quoi. Ok, c'est le dernier endroit connu. Wow, amazing, ok. Bah, vu qu'on est là, on va pouvoir tâter une stratégie alternative. On aime bien les choses alternatives dans le milieu. Voilà. Hop, non, pas du tout, faux. Moi je pense que ce rebord de pierre je peux l'avoir. Mais je sens que le jeu me le laissera pas l'avoir. Si, le jeu a été cool. Le jeu m'a dit si, si, t'as vu, tu peux l'avoir. Non mais. En fait, ta race, quoi. Merci. Mais ta race de gobelin, quoi. Allô. Let's make a deal. Ouais, on fait un marché, on dit que t'es pas bugué et genre ça roule. Parce que ça, par contre, vous voyez, c'est un petit peu un problème dans le jeu. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, on meurt en boucle, on se fait griller et tout. Alors que c'est la faute littéralement du jeu, puisque moi je lui demande de faire A, enfin je veux faire X et il fait pas ce que je lui demande quoi. Donc ça pose des petits problèmes techniques. Parce que là, théoriquement, on est censé pouvoir passer par là, ou alors il y a une case que j'ai ratée, il y a un truc que j'ai pas compris quoi.
pourquoi maintenant tu veux sauter, connard? Eh ben, saute. Saute. Merci. Abrutive. On peut pas... On devrait pouvoir. Ça devrait pouvoir stater. Oh. Mais le jeu a décidé que non, sinon ça serait trop facile. Ok. Et là, ok. Oh. Ok. Merci. Brutti. Ouais, mais ok, si je me mets comme ça, lui il va tomber. J'ai le cœur qui saute à chaque fois qu'il fait un move. Hein. Je pense pas que c'est normal d'être d'être nerveux, on va dire, à ce point-là, en jouant un jeu. Ça me permet pas du tout de faire ce que je veux faire, là, cette histoire. Donc il faut bien que je passe par ma fenêtre là avec les deux gardes, les machins là. C'est con parce qu'il y a vraiment une poutre, genre tu peux t'accrocher dessus, mais le jeu veut que tu te tapes la tête contre la fenêtre. Ou alors faut faire un tricks, que moi personnellement je n'oserais pas avec le gobelin à deux bras cassés. Voilà, ça me tente pas, ça me tente zéro. Allez, abruti man. Si bug contre le truc, tranquillement quoi. Genre pépère. Péronnier au fromage blanc, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Mais... Là c'est de ma faute. C'est ma faute. Non, je suis d'accord. C'était pas dans le script, c'était pas comme ça. C'est pourquoi je voulais absolument Assassin's Creed sauter avec A pour grimper plus vite. J'y étais pas psychologiquement. J'y étais pas du tout. On va se faire ça. Vous inquiétez pas. Je vous sens inquiet. Moi, je pense qu'un jour ce niveau, je vais le finir parce que si je finis pas ce niveau, je finirai pas la vidéo. Donc ça. On va finir ce niveau, moi j'y crois à mort. J'ai toujours cru, j'y croirai toujours. Tu vois, pourquoi tu bugs contre le truc? Pourquoi il faut que je saute deux fois? Ici, à mon avis, il faut se méfier au mec qui se met à la fenêtre, là, au balcon. Mais une fois que lui, il est géré, normalement, ça devrait rouler. En gros, c'est faisable. Ah, il y a lui aussi à gérer. D'accord. Il me reste combien d'affiches, là, juste pour rigoler? Une. Donc, il doit y en avoir une par là où il y a le garde, justement, en face, je pense. Elle doit être là, la dernière. D'accord, ok. Donc, quand il n'y en a pas un, il y en a un autre. Ils sont deux à regarder. Et j'ai dit que je ne tuerai personne. Donc je ne tuerai personne. Ça va être très chiant. Ça sent le speedrun, le move à speedrunner. Voilà. Est-ce que c'est bien l'étage que je pense? C'est vraiment charmant. Par contre, je suis déjà plein de ça.
ordering a double pepperoni pizza with extra cheese, please. Oui, ça va arriver. TKT, ça arrive. Le move incroyable, incessamment sous peu. Ça va être le mouvement de votre vie. Et puis il va falloir mettre une fin à cette vidéo, parce que moi j'ai envie de me boire une bière depuis tout à l'heure, ça va pas être possible. Du coup ça commence à faire longuet. Hop. Pouette. Ah, j'ai oublié de vous saouler dans cet épisode, de vous dire de mettre des pouces bleus sur Fallout et Mad Max. Vous avez vraiment de la chance que j'ai pas de tête. Hein. Vraiment, c'est une très grande chance. Hein. Je sens que vous ne mesurez pas toute l'envergure de la chance dont vous bénéficiez. Ça se vole pas ton truc derrière toi. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Oui, ça c'est ce que j'ai demandé. Oui, parfait. Pour de toi, voilà. Moi j'y crois mort. Et tu grimpes du premier coup, bravo. Bravo, je suis fier de toi. Tu l'as fait. La France entière t'a regardé. Je pense qu'on va marquer une étape ici, en fait. C'est-à-dire que... Quoi ? Ah oui, merde, les deux cons. J'ai oublié. Ordering a double pepperoni pizza with extra cheese, please. This is gonna take time. Eh ouais. Ta pizza au pepperoni, on saura. Les gobelins aiment les pizzas pepperoni. Les gobelins, c'est italiano. Moi, je croyais que c'était irlandais. Et visiblement, les gobelins, c'est italien. En fait, pour m'éviter des embrouilles, plutôt que de faire cette espèce de trick chelou que je fais là, ce déplacement, en fait, je peux carrément prendre un raccourci, comme quoi il a fallu que je me fasse griller par un garde débile pour m'apercevoir. J'aurais pu tout simplement... genre passer par là, en fait. Colle-moi contre ça. Mais avance. Glandumane. Parfait. GG, je suis fier de toi, camarade. Par contre, pour accéder en face, je me demande si en fait il faudrait pas directement. Non, descendre ça. Voilà. Plutôt passer comme ça, tu vois. Plutôt que de sauter à la corde, je me dis. Non, fais pas ça. Ça. Je me dis voilà. Et je fais ça. Est-ce que. Et ta race ? Mais ta race ? Tu n'inverses pas les contrôles, soit c'est comme ça et c'est bien. Par contre, si je touche la caméra, faut que ça reste. Pas que tu me fasses des moves chelous. Connard. Je pense qu'on l'aura jamais. Je pense que si je me mets là, je te le demande. Ouais, c'est ça, tu l'auras pas. T'auras la rambarde du dessous, mais pas la rambarde du dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que t'aies la rambarde du dessus. Non. Pas du tout ce que j'ai demandé non plus. Est-ce que je peux faire un saut en arrière? Oh, c'est raté. Oh, c'est raté. Je pense que... Je pense qu'il y a d'autres moyens d'y accéder, mais... Pas comme je le veux, quoi. Mais merde, je l'avais pas vu. Enfin, flûte. J'avais point vu cela. Je pense pas que ça nous amène dans une... Ouais, vas-y. Mais abruti. Mais vu que ce personnage ne se tourne pas sur la corde, bah du coup il se remue avant, un petit coup avant de sauter, donc il fait un saut sur place. Et il tombe. Le problème d'une commande trop simplifiée et mal chialée en fait. Où faut être de préférence extrêmement précis. Ah, du coup, nouvelle chance de retry du coup. Tac tac tac, on se glisse comme ça. On laisse les gardes vivre leur petite vie, parfait, ils sont mignons, ils sont kawaii, c'est génial.
Alors on va monter jusque là. Et là c'est bon là. Et là 1000 points. On ne regarde même plus jour. Je suis chez moi. Je suis chez moi après tout, non? Depuis le temps. Le temps que je meurs ici. Je suis pas un peu chez moi, non? Oh, magnifique. Le cinquième. Il y a par là. Oh, c'est la taverne. Ah oui, mais c'est la taverne par où on monte. Ah, c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant pour moi. Ok. On passe là-dessous. Ok. Oui, enfin. C'est très intéressant, mais je peux passer par là, quoi. Du coup, c'est un très intéressant moyen, en fait. Par là, ok. Il y en a un peu partout. L'aéronef est 36 mètres au-dessus. Je fasse attention de pas mettre fin à la mission en fait. Je voudrais d'abord aller voir l'espèce de plateforme au loin qu'on pouvait accéder que par une tyrolienne. J'aimerais voir. Mec, toi c'est chiant là. Tu veux pas aller voir du pays ailleurs? Vas-y, va voir du pays. Mais va voir. Voilà, merci. C'est trop relou, mec. Vraiment, voilà, je sais que bon, il fait un petit peu frais dehors, mais tu verras, c'est pas désagréable en vrai. Ça va te rafraîchir ta sale gueule. Vous êtes deux. Oh non mais sérieux. Je meurs debout, droit sur mes jambes. Are dead. No, I'm dead. You'll be out getting laid soon. Wait, lean in closer to the screen. Maybe not. La bonne vanne gratuite. Nice. Bon alors la question maintenant c'est où est-ce qu'on apparaît dans cette histoire. Ok, on est là où il y a Reluman qui va venir faire son tour, voilà c'est ça. Ok, bon dans ces cas là on va aller voir plus haut si on y est hein. Hein, je suis plein vraiment de tout là. Je suis vraiment plein de tout quoi. Things aren't so great with the carnage squad. Why do you say that? Apparently the job doesn't pay enough. There are more and more deserters. I saw three who signed up for service. On va appeler ça une ratière maintenant, hein. Les petits espaces à gobelins là sous les escaliers. It's gotta pay more, and you won't be meeting many goblins up in the sky. Là, il y a une ratière derrière eux. Si je pouvais y accéder, ce serait parfait. D'être là. Ah si. Si, je commence à le percevoir en fait. Mais je pouvais passer, voilà, comme ça. Directement. Je suis un peu au bord là, je crois. Voilà. Je suis un peu moins au bord, c'est mieux. Donc il y avait une histoire de tyrolienne juste ici, voilà. Oh mais... Vous ne mourrez jamais. Vous avez dit que vous ne mourriez pas. Vous m'avez pas eu.
I want a percentage on your best goblin death compilation. Et ouais, c'était bien, hein. C'est chiant. C'est très chiant. Le mec me repère de très loin. Bon, après, c'est normal, hein, la zone est dégagée. C'est logique qu'il me repère. Du coup, je suis où? Du coup, je suis là. Du coup, on a découvert qu'on pouvait passer par là. On a les deux autres cons qui nous racontent leur vie, on s'en fout. Mais alors, Royal, je dirais même Cheese et je dirais même Burger. Voilà, formidable. Voilà, on se retrouve ici, ça c'est cool par contre. Elle est où cette dernière affiche quand même? Je voudrais la voir. Hein. Ouais. Allez, allez, roule ma poule. Non mais, ok, vas-y, lâche. This shack is used as a guild hideout for storing their valuable cargo. Launch is their transport link. With this launch, catching up with the airship will be a breeze. This is today's catch? Yeah. It all has to be en avance sur l'histoire. If you want to just tell me. No shit. Really? Nah. I was just fucking with you. J'ai rien à faire ici. C'était pas... Voilà. C'était la fin de l'histoire. C'était bien. Maintenant, je vais être obligé de mourir pour rentrer, c'est ça? Voilà, c'est super. Ah ouais, ouais, moi aussi je suis d'accord avec toi, dans le script il fallait pas aller là. Hein. Je l'ai vu aussi. Hein. Attention, hein. J'étais là, je l'ai vu. Je crois que c'est même moi qui l'ai écrit. Mais j'y suis allé quand même pour t'emmerder. Voilà. Ah, ça me pète les noix. Hein. Pétage de noix. Vas-y, ouvre-moi ça, il va me manquer une affiche. Ce niveau est dégueulasse, j'ai raté trop de trucs. I saw three who signed up for service with Ambassador Arsini. We're loading his airship tonight. We should do it too. He's gotta pay more, and you won't be meeting many goblins up in the sky. Ah oui, il doit y avoir une autre voie. C'est quoi? C'est celle que j'avais trouvée? Connard. Putain, même ça, c'est plein. Tout est plein. La vie est horrible. The kind that wants the very best without caring about the price or where it came from. Our favorite kind of customer. Allez, dis-moi que t'as la dernière affiche ici, mec. Non, pas du tout. Youpi. Ah si, arraché. Ah, à 15 mètres, on l'a vu. Elle est juste à côté des gardes, d'accord, je passe à côté. Ok, ok, on est à côté du truc, voilà. Ah, elle était sur le, okay, sur la caisse. Ah, on peut pas l'arracher là, comme ça. Tu me dis. Merci. 11 sur 11. Bon, j'ai déjà toutes les affiches. C'est une petite récompense. Pour un gros travail. Se cacher. Pourquoi tu veux que je me cache? Ah, tu veux que je me fasse embarquer là? C'est ça l'objectif de mission? Se cacher dans la cargaison. D'accord. La princesse coin. Anybody there? What is it? Eladrin better not have been lying. She's gonna end up in a box. But hers will be buried in the mud. Ah bah posé. D'accord. Ok. Je
pense que voilà. Donc les vaisseaux diplomatiques, mission numéro 1. Styx a accepté une mission pour un groupe d'humains exterminateurs de gobelins. Eledrin, capitaine de l'escadron Carnage, lui a demandé de voler le sceptre de l'ambassadeur Arcidi en échange d'une grosse quantité d'ambre. Le genre d'offre que Styx ne peut pas refuser. L'ambassadeur se déplace avec sa flotte d'aéronefs et une imposante troupe de garde. La première étape du plan s'est bien passée. Styx a réussi à infiltrer un des vaisseaux. Il ne lui reste plus qu'à atteindre l'aéronef personnel de l'ambassadeur et à y subtiliser le sceptre. D'accord, donc vu que j'ai pas déclenché d'alarme, à première vue, j'ai pu être embarqué avec la cargaison. J'avais déjà vu une démo, en fait, où, à première vue, c'était le deuxième vaisseau qui était pris. Peut-être parce que, du coup, une alarme avait été déclenchée. Je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Cette phase de chargement est longue. Du coup, ah oui, ça va enchaîner. Ça va pas m'en renvoyer au lobby, je suppose. Sauf que moi, il faut que je fasse une pause. Hein. Puis même, à mon avis, vous aussi, dans la vidéo, là, une petite pause. Allez, des bisous, à la prochaine, ciao.